dont nous sommes arrivés. Il a proposé un programme qui se renouvelle au gré des révélations, des buzz. Une programmation. J'étais au JT. J'étais d'abord sur Weekend Sport Foot. C'était que les samedis et les autres. Et du dynamisme de l'industrie du spectacle ivoirien. Pipolémique vous fait découvrir. Et c'était maman dodo, quoi. Là, c'est vrai, c'était maman dodo, effectivement. Tu gardes le reste. JB. Yedi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, attention! JB. Oh là là, Jean-Baptiste, s'asseoir. Oh là là, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. Pour vous, ça a commencé en 2019. Ah, bon, c'était à la fin du casting. On peut faire ça. Casting en 2020, d'accord. Parce que moi je suis du service sport. On n'a pas fait le casting en même temps. Donc, j'étais sur le journal. Du coup, j'ai dû attendre une semaine avant de venir ici. Quand je suis arrivé, les autres ont fait leur tour du JT. Et j'ai fait mon tour du JT. Je pensais que c'était seulement la régie qui me suivait, mais Marie-Dominique était derrière les caméras. Ça va aller, JB. Quand j'ai fini, elle a été la première à m'appeler derrière dans le couloir. Elle a dit comment tu t'appelles, parce que je la voyais juste avant avec vous, au niveau de la musique. C'est ça. Je la voyais juste, je la regardais. On le sait tous, elle est magnifique. Je peux pas dire qu'elle était magnifique. Elle est magnifique, donc on la regardait tous. Quand j'ai fini mon tour du JT, j'ai été tellement touché par son geste. Elle a été la première à m'appeler dans le couloir sans qu'on ne s'est déjà parlé auparavant. Elle m'a dit, comment tu t'appelles? J'ai dit, Jean-Baptiste. Elle a dit, félicitations pour ton passage. Franchement, j'ai apprécié. Prochainement, vas-y un peu plus doucement, essaie de revoir ci, essaie de revoir ça, continue, tu seras vraiment un grand demain dans ce que tu fais. Et à chaque fois que j'ai un direct, les grands événements que j'ai la chance de présenter ici, que ce soit le Ballon d'Or, la CAN, elle m'encourage toujours, elle me laisse un message. J'ai été nommé il n'y a pas longtemps, c'est vrai, dans un concours. Elle a été celle-là même qui m'a toujours soutenue. Elle me laissait des messages. Le 29 dernier, je lui ai laissé un message parce que ça faisait un moment que je ne la voyais pas. Elle m'a dit, je ne suis pas très en forme, mais ça va aller, je gère. J'ai dit, oh, courage. C'est ce qu'elle disait à tout le monde en tout cas. Ouais, je sais pas, merci JB, hein, merci. Tu vas te laisser reprendre tes esprits, merci beaucoup. Il y a... On dit à l'oreillette qu'il y a Eva Mani qui est là, qui elle aussi a une anecdote à nous raconter, qui viendra nous rejoindre sur le plateau de PPLK. Avant de vous. MDK n'était pas que chroniqueuse hein, sur le plateau de Pipolémique, elle a présenté aussi certaines émissions sur le plateau de PPLK. On va y aller tout de suite pour le premier extrait où on a retrouvé MDK à la place de Leeds de PPLK. Bonsoir chez vous, bonsoir membres de la PPLK Community et bienvenue dans Pipolémique. On est content de vous retrouver, de vous proposer un programme qui se renouvelle au gré des révélations, des buzz et du dynamisme de l'industrie du spectacle ivoirien. Pipolémique vous fait découvrir les pas rythmés de la singulière carrière de la seule et unique tigresse de la...